avantageux que je m'en aille vers le Père afin de vous envoyer mon Consolateur. Dans Jean, le chapitre 16 au verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas sur vous. Mais je m'en vais et je vous l'enverrai. Le Saint-Esprit de Dieu est la plus grande promesse tenue par Christ pour les hommes, pour nous, ses enfants que nous sommes. Jésus a tenu parole après être monté auprès du Père. Il nous a envoyé son merveilleux Saint-Esprit pour que la présence de Dieu en chacun de nous puisse vraiment être vraie et palpable. La puissance de Christ lui-même nous remplit. Elle est manifeste en chacun de nous. Le Saint-Esprit de Dieu est la manifestation même de la fidélité de notre Seigneur envers nous. La présence du Saint-Esprit doit nous faire plonger dans une adoration éternelle pour célébrer la fidélité de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il convient, oui, en ce matin, de renouveler encore notre confiance à ce paraclet-là qui nous a été promis, de renouveler encore notre louange à cet esprit merveilleux, ce consolateur par excellence. Nous nous apprêtons à recevoir le souffle divin, la puissance de Christ lui-même à la Pentecôte. Mais sommes-nous dans les dispositions? Sommes-nous disponibles à pouvoir le recevoir comme il le faut et comme il se doit? Sommes-nous prêts à rentrer dans ce qu'il attend et veut pour chacun de nous? Sommes-nous prêts à nous laisser bonifier? Sommes-nous prêts à nous laisser modeler? Sommes-nous prêts à nous laisser renouveler? Accepter ce parfum divin-là, ce nouveau souffle qui vient? Sommes-nous prêts? Alors, bien-aimés de Dieu, nous sommes réunis en ce matin dans le nom du Père, Créateur de nos vies, dans le nom du Fils, Sauveur de nos âmes, et dans le nom du Saint-Esprit qui nous fortifie. Laissez nos cœurs et nos âmes s'exprimer dans ta présence. Au-delà d'un chant, c'est une prière que nous t'adressons, paraclet de Dieu. Tu nous as été promis,
de la même façon que tu es descendu sur les apôtres qui étaient fermés et qui t'attendaient en présence de la bienheureuse Vierge Marie, qui a su t'épouser en premier, sur qui tu es descendu en premier. Nous nous rappelons paraclet de Dieu au travers des passages bibliques, de ces parlers, de cette diversité que tu avais mis en chacun d'eux. À d'autres, tu leur avais donné un feu de prédication. À d'autres, tu leur avais donné un feu de service. À d'autres, tu leur avais donné un feu d'abandon total. Saint-Esprit, en ce matin, nous voulons tout simplement te dire à leur image, alors que nous t'attendons impatiemment, descends favorablement sur chacun de nous. Donne un nouveau souffle à nos vies. Donne un nouveau souffle dans nos familles. Un nouveau souffle par la puissance de ton divin feu au sein de nos foyers. Un nouveau souffle pour nos différentes nations, Saint-Esprit. Nous avons l'habitude de te dire paraclet. Nous ne voulons pas te limiter dans ce que tu es dans nos vies et ce que tu peux faire dans nos vies. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Alors donne un nouveau souffle encore. Donne un nouveau souffle encore à nos pensées. Donne un nouveau souffle encore à ton Église. Donne un nouveau souffle encore à tes oints, à tes choisis, à tes appelés. Donne un nouveau souffle encore à tous ces rachetés. Joie, un nouveau vent de vérité dans ta présence, dans nos relations avec le prochain. Donne-nous d'être véritablement des témoins de ta grâce. Donne-nous d'être véritablement des oints rachetés, établis et envoyés en mission. Alors Saint-Esprit, souffle encore. Alors bien-aimé de Dieu, que cela soit une prière sincère pour toi en ce matin. Que cela vraiment monte du plus profond de ton cœur et de ton âme, en te laissant tout simplement remplir par le Saint-Esprit. En te laissant tout simplement inonder de sa présence. En te laissant tout simplement bonifier. Parce que oui, le Saint-Esprit rend beau. Le Saint-Esprit nous bonifie. La présence du Saint-Esprit, c'est au-delà d'un chant. C'est au-delà des belles prières que nous pouvons parfois faire monter. Mais c'est une relation d'intimité, de cœur à cœur, de foi, de démonstration de ce qu'il est. Parce que le Saint-Esprit ne nous demande pas d'aller prouver quoi que ce soit, mais d'être dans une réelle présence avec lui, de le désirer dans tout ce que l'on fait et dans tout ce que l'on touche. Alors que ta prière que tu feras monter en ce matin, même si c'est un soupir, que ce soit vrai en toi. Que ce soit vrai en toi.
le soupir qui monte en ce matin. Tel est le cri de nos âmes dans l'abandon de ta présence. Alors Paraclet de Dieu, comme tu sais si bien le faire, viens encore faire du bien. Viens parce que nous t'attendons. Viens parce que nous t'invitons dans tous les aspects et domaines de nos vies. Viens parce que nous avons véritablement besoin de toi. Viens parce que nous avons soif de ta présence. Alors, bien-aimé de Dieu, c'est dans ce élan, dans cette atmosphère d'attente du Paraclet, ce feu qui nous a été promis par le Sauveur de nos âmes. C'est dans cette atmosphère que je te souhaite véritablement de passer une agréable et sainte journée dans la présence du Saint-Esprit, qu'il t'embrase de son divin feu, qu'il consume encore ce qui n'est pas de lui. Et nous avons ainsi prié dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.